Coucou tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo test punchboard de Noz. Donc je l'ai ouvert, normalement j'ai fait une vidéo où je l'ouvre avec vous. Et en fait je me suis rendu compte que ça filmait pas. J'ai marqué pause parce que j'ai reçu un coup de fil et en fait ça a pas filmé après, du coup bah, je recommence. C'est super, j'adore cette caméra. Enfin bref, du coup j'ai fait... Les nœuds, j'ai testé les nœuds du coup que vous n'avez pas vu, donc on le fera ensemble, c'est pas grave. Et une enveloppe aussi. Bon, je l'ai pas collée, mais j'ai fait l'enveloppe aussi. Mais du coup, ben, je suis obligée de tout recommencer. Et là, en fait, j'étais en train de faire une boîte avec vous que vous n'aurez pas parce que du coup, ça a coupé. Super, j'adore. C'est pas grave, on recommence. Donc, voilà, c'était comme ceci. Attends, je change mal. Donc c'était comme ceci. Oh, je vais pas y arriver. C'est pas dans ce côté-là. Voilà. Le stylet est rangé en dessous. Voilà. Donc ça, je l'ai enlevé. Hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc ici, il n'y a pas de planche d'érénurage comme celle d'Action. Mais c'est pas gênant. Franchement, là, du coup, je l'ai testé avec vous, mais vous ne verrez pas. Mais je l'ai testé et franchement, du coup, c'est super. Par contre, le seul point un peu négatif, c'est que ici. Ceux d'action, c'est écrit en centimètres. Et ici, on n'a que des graduations en pouces. Bon, après, c'est pas trop gênant non plus parce qu'on peut convertir après sur internet. Et en plus, quand on coupe les papiers, on a le massicot qui a les pouces aussi. Donc, c'est pas très très gênant. Du coup, eh ben, on va commencer par la boîte parce que du coup, je suis obligée de recommencer. C'est super, j'adore. J'adore ça. Donc, comme on va recommencer, je vais prendre un autre papier. Je vais prendre un papier. Je vais prendre un papier que je n'ai pas trop utilisé. Oh. Que j'aime pas trop. Donc, voilà, celui-là, je ne vais pas trop l'utiliser. Donc, on va faire la boîte ensemble. Hop, on va prendre le côté blanc. C'est pas grave. Si l'image est intérieure, c'est pas gênant. Donc là, je vais couper. Moi, je vais faire une boîte de 10 pouces. Donc là, on vient couper à 10 pouces. Comme c'est marqué sur massicot, c'est super. Donc ça fait pratiquement 26 cm le papier. À 1 mm près, ça fait 26 cm. Donc là, on vient couper à 10 pouces. Et là, on va couper à 10 pouces. Donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas les graduations en centimètres, enfin. Le tableau en centimètres parce que du coup pour nous c'est un peu plus galère, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais prendre le petit livret explicatif parce que du coup c'est vendu avec le petit livret, donc je suis désolée hein, obligée de recommencer la vidéo. Donc on va prendre ici les box, oui, parce qu'en fait ce petit objet là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, il y a toutes ces désignations. Donc, on a les enveloppes un peu épaisses, comme j'ai fait avec vous, mais que mais du coup, on va recommencer. Vous voyez, c'est des enveloppes un peu épaisses. Vous avez les enveloppes normales, évidemment, aussi. Les petits nœuds. Vraiment sympa. Les petits ou grands, en fait, on peut faire différentes tailles. Là, on va faire la boîte ensemble. Donc, je vais garder la page. Voilà, les enveloppes normales, vous savez, hein, les enveloppes, voilà, où il n'y a pas d'épaisseur. Et d'autres sortes de boîtes. Donc, franchement, il y a quand même pas mal de choses. Ah oui, d'autres enveloppes ici, mais avec une autre forme. Ça fait plus une petite pochette, enveloppe pochette. Vous savez, où après on peut mettre une petite ficelle autour, comme ça là. Donc voilà, ça change. Et ici, on peut faire des petits. Comment ça s'appelle? Pas des petites chemises, mais des petits rangements en papier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, on va faire la boîte ensemble. Donc, j'ai coupé mon papier. Donc ici, on vient se référer ici, c'est marqué box. Le rouge, c'est pour les boîtes. Le gris, c'est pour les nœuds. Et le bleu, c'est pour les enveloppes. Donc moi, je vais prendre le marron orange bizarre là. Donc à 10 pouces, je vais faire, en fait, vous, avec un papier 10 pouces,
Vous pouvez faire plusieurs sortes de boîtes. Il y a du S, M, L, XL. Donc moi j'ai pris le 10 pouces XL. Donc quand vous prenez le 10 pouces, c'est le papier, et que vous voulez XL, vous venez en fait caler la feuille. Vous voyez ici il y a XL, L, M, S. En fait, vous venez caler votre feuille au niveau du XL. Vous voyez là, le trait. Hop, voilà. Moi, c'est le XL. Après, si c'est du M, vous vous calez au M. Donc là, on vient se mettre au XL pour ma part. Vous venez faire... C'est pas évident à vous expliquer. Vous voyez les deux gros trous ici. Ici et là. Vous venez marquer avec le stylet, là, le plioir. Hop, les marques comme ceci. On va faire ensemble. Vous avez les rainures en fait, c'est pour ça. Vous voyez, ça vous met ici une fois qu'on va gratter, enfin, passer le machin là, le plioir. Ça va vous marquer les plis, vous allez voir. Donc là, je passe au grand. Ah oui, par contre, vu que la feuille est grande, on peut l'ouvrir ici. Vous voyez, hop. Ça nous agrandit la planche pour faire des plus grands traits. Donc ça, c'est super. Par contre, ça, c'est super. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai bougé, que je loupe pas mon truc. Voilà, hop, on vient jusqu'au bout, vous voyez. Du coup, on peut aller loin. Et on fait le deuxième ici. Voilà. Par contre, avant de bouger la feuille, on a un autre marquage à faire. Donc, ça sera un vertical comme ceci. Et vous suivez, donc là, 10 pouces, XL, et ben il faut faire une marque OM pour moi. Donc là, OM. Tac. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer après. Et avant de bouger, on vient perforer. Voilà, vous voyez, ça nous fait tout ça. Donc là, on a marqué ici, on a marqué ici, et on a la petite verticale ici. Et on n'oublie pas le petit trou ici. Voilà. Et on fait ça pour les quatre côtés. Donc hop, pareil, XL. Ici, on vient marquer le trait, le pli ici. Le pli ici, comme tout à l'heure. Hein, pareil. On fait quatre fois la même chose. La chose qu'on a fait là, juste avant. OM. OM, surtout. Et ne pas oublier de perforer. Et hop, on fait la même chose pour les deux autres côtés. Hop. Tac. Ici. Le M pour moi. Et on perfore. Allez hop, le dernier. Donc on aura tous les marquages. Comme ceci. Hop. Le M et on perfore. Tac. Donc là, ça, maintenant, j'ai compris. Hein, c'est pas compliqué. Avant d'enlever vraiment la feuille, on a ici des petits triangles. Vous voyez ici les petits triangles. On va venir les couper en les mettant. Attendez, ça j'en ai plus besoin. Orange. Voilà. Pareil, comme je vous disais, avec ici, vous voyez le petit arrondi ici, là, les deux au milieu. En fait, vous venez prendre votre petit triangle et l'aligner comme ça. Dedans, en fait. Vous voyez ici les deux petits traits comme ça, là. Les marquages de plis vont entre les deux. Hop. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident à vous montrer. Et une fois que vous avez mis comme ça, vous venez perforer. Un peu comme l'autre perforatrice, enfin l'autre de action. Hein. Voilà, et vous faites les quatre côtés où il y a les petits triangles. C'est pas évident à vous montrer. Ça, c'est un peu... voilà. Mais c'est un peu comme les enveloppes de la planche d'action. Hein. Vous faites comme ça. Rien de compliqué. Oh, là-dessus, ça va en fait. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Voilà. Du coup, ça nous fait un trou ici, un trou ici. Vous voyez, un trou ici et un trou ici. Et pareil des quatre côtés. Ensuite, on vient prendre la petite planche. Ici, on vient
Vous voyez, il y a un petit rebord ici et un rebord ici. En fait, vous venez placer le coin de la feuille comme ceci, dedans, voilà, comme ça, hop. Voyez, hop, ça bouge plus, c'est calé. Vous le calez bien et vous perforez des quatre côtés. Je vais vous montrer ce que ça fait. Franchement, c'est vraiment bien pensé. Et après, je pense que je vais allumer la lumière parce que, voilà, j'ai fait les quatre côtés. Donc là, je vais mettre la planche de côté. Je vais allumer la lumière. Vous verrez mieux comme ça. Voilà. Et en fait, ça nous fait une petite encoche comme ceci, vous voyez, juste un petit arrondi comme ça. Ça sera pour fermer la boîte. Donc là, on a fait tous les marquages. Je sais pas si vous voyez bien tous les marquages. Voilà. Là, on vient prendre celui-ci. Vous voyez le premier pli ici où il y a la petite boîte comme ça, le petit angle comme ça, qu'on vient plier. Par contre, moi j'aurais dû faire de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Genre une boîte colorée. C'est pas gênant. Et on vient plier les quatre côtés comme ça où il y a la petite encoche. Je l'inverserai après, c'est pas grave. Voilà. Une fois qu'on a plié ça, en fait, vous venez ici, vous voyez, ça fait un petit triangle. Attendez, pas évident de vous montrer. Je voudrais qu'il y ait tous les plis, qu'on voit tous les marquages de plis. Donc en fait, ici, ça fait un angle droit. Tac et tac. Et on a un pli au milieu. En fait, on va venir plier comme ceci. Ah, ça va être compliqué. Ouais, on va peut-être tout plier comme ça sera fait. On va marquer tous les plis parce que du coup ça va être un peu gênant, je pense. Ils nous disent que cela, mais bon, je pense qu'on devrait tout plier parce que ça serait peut-être plus simple pour plier après. Après, il y a un marquage ici. Voilà, moi, j'ai marqué tous les plis, hein. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Donc, hop, on vient, comme je vous disais, à ce niveau-là, on vient plier au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci, vous voyez? Et on fait pareil des quatre côtés. Pour ça, ils disent machin, mais moi, je pense qu'il vaut mieux tout plier au début, comme ça. Ça sera plus simple. On verra ce que ça va donner comme résultat. Comme petite boîte. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Après, on verra bien. Hein. Donc là, en fait, c'est pour faire une boîte sans colle. Pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas besoin de colle. Donc voilà, ça va donner ceci. Hop. Vous voyez, une fois qu'on a tout plié, quand on met à plat. Voilà. Et en fait, on a juste plié ça. Hein. Et en fait, on va venir prendre ouais, ceux-là, les encoches. Vous voyez, ça fait deux encoches. Un de ce côté-là. Je sais pas comment expliquer. Un de ce côté-là et un de l'autre côté. Et du coup, on va les assembler ensemble. Hop, voilà. Comme ceci. Et je trouve ça super en fait comme boîte. Sans colle, on peut faire une très jolie boîte. Et ensuite, on fait pareil avec les deux autres. C'est toujours des fermetures un peu compliquées. On a toujours peur d'arracher le petit bout. Et tout à l'heure, c'est ce qui va arriver. Je vais finir par l'arracher. C'est vrai que c'est des boîtes un peu compliquées à fermer, mais c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de colle. Attends, hop. On va peut-être essayer de l'autre côté. Normalement, elle est carrée la boîte. Je comprends pas, mais bon. Je vais essayer, hop, d'inverser, voir. Donc là, ouais, ça c'est bon. Ça c'est fermé. Et on va essayer les deux autres. Je trouve que c'est un peu juste. C'est un peu juste. Ah. Faut tordre un petit peu les bouts. Voilà. C'est toujours un peu compliqué à fermer, mais ça nous fait une très jolie boîte, regardez. Elle est super grande. Bon, après, j'ai pris du papier, voilà. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Mais moi, je voulais faire à la base blanc autour, mais bon. Après, il faut inverser les pliures. Mais...
Moi, je préfère en blanc. Après, si c'est coloré à l'intérieur, on s'en fiche un petit peu. On se cache à l'intérieur une fois que c'est fermé. Hop. On va inverser, hein. C'est pareil, vous voyez. Vous avez juste à inverser les plis. Une fois qu'ils sont faits, de toute façon. Hein. Hop. Donc, là, vous prenez la couleur que vous voulez. Hop. Alors, lequel que j'avais galéré au début à fermer. J'espère que c'est celui-là. Bon, j'ai inversé les plis, vous voyez, ça marche aussi, hein, en fait. Je sais pas pourquoi elle est pas très droite, ma boîte. Hein. J'ai respecté ce qu'ils ont mis. Hein. Mais voilà, franchement, ça fait de très jolies boîtes. Donc là, elle est assez grande. Hein. Je sais pas combien elle fait une fois pliée. Elle fait, ouais, 10,5 à peu près. 10,5 par 10,5, évidemment. Et franchement, c'est super. Donc on peut faire plusieurs boîtes de tailles différentes. Hein. On peut en faire des moins larges mais plus hautes. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. C'est ça qui est bien. Regardez. Eux, ils ont fait des comme ça. Donc même des toutes petites. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait de très jolies boîtes. Là, elle est énorme, celle-là. J'ai pris quand même une grosse boîte. Enfin, après, on choisit ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai voulu en faire une grande. Après, on peut en faire des petites. Hein. Donc là, on va faire les petits nœuds avec ensemble. Donc, les petits nœuds, comme ceci. Enfin, les petits. Moi, j'en ai fait un grand et ça fait à peu près 10 cm de large. Donc, on va en refaire un ensemble. Hein. Je vais prendre un papier, une chute de papier, évidemment. Donc je vais voir combien il mesure parce que du coup 2 pouces, je peux faire un nœud de 2 pouces maximum. Donc là il faut couper 1 pouce. Donc là on coupe le papier à 1 pouce. Alors, généralement c'est 1 pouce, 1 pouce et demi. Après ça dépend ce que vous voulez. Je vais essayer un peu plus grand. Je vais prendre 1 pouce et demi. Allez hop, pour changer. Comme ça on verra la différence avec l'autre. Donc là j'ai pris 1 pouce et demi. Voilà. Et 1 pouce et demi sur 10. Sur 10 pouces. Est-ce que ça sera assez grand? Oui, c'est pile poil la taille. Donc voilà. Donc une feuille comme ça. Après, on refait un de 1 pouce et demi. Du coup, on refait la même chose. 1 pouce et demi. Voilà. 1 pouce et demi. Attendez, hop. Je suis pas sur 1 pouce et demi. Voilà. 1 pouce et demi. Donc on coupe deux papiers comme ça. Mais celui-ci sera moins long. Il fera 1 pouce et demi. Je vais prendre. Donc l'autre fait 10. Celui-là, il fera 5. Oh là, 5. Un quart. C'est quoi les 1 quart là-dedans? Ok, c'est un quart. 5 et 1 quart. C'est un peu compliqué les pouces. Moi, je n'y comprends pas trop. 5 et 1 quart, c'est quoi? 5 et 1 quart, c'est... pas le petit. Non, 5 et 1 quart, je crois que c'est ça. Si je comprends bien. Je vais voir avec la planche. 5 et 1 quart. Je sais pas trop, voilà. 5 et 1 quart, je comprends pas du tout, c'est quoi? Ouais, mais là je suis trop grand, donc 5 et 1 quart, ça serait là. Je vais faire une marque, 5 et 1 quart, c'est là. C'est un peu compliqué, hein, les pouces, je trouve. Non, attendez. Ah, si, c'est ça. 5 et 1 quart, c'est là, mais... Non, c'est 4 et... Non, attendez. 5... Oui, 5, 1 quart.
Je déteste les pouces. On ne sait pas les utiliser. 5 et un quart. Bon, on va couper comme ça. On verra après hein, si c'est bon ou pas. Ah, les pouces, c'est un peu compliqué. Quand on ne sait pas les utiliser sur tout ça. Et ensuite, il nous fera un petit bout. Mais ça, je le ferai moi-même, comme j'ai dit. Après, il faut couper un petit bout de 2 pouces et demi à peu près. Donc, je le ferai moi-même. Ça sera moins compliqué. Donc, moi, j'ai pris 10 pouces. Donc, il faut que je mette le bord ici du papier à 5 pouces sur la planche. Voilà, 5 pouces. On vient perforer. Tac. Et on le tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Et ça nous donne ceci, vous voyez. Tac. Voilà. Ensuite, du coup, une fois que c'est fait, on vient prendre le bout ici, qu'on vient mettre sur le... Ici, vous avez le guide pour les nœuds. Il y a marqué bow guide. Voilà. Je suis nulle en anglais, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on aligne par rapport au trait et on vient perforer. Hop, j'inverse et on fait la même chose. Vous voyez, ça nous donne ceci. Ça nous fait une petite fente comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà, en fait, ça nous donne ceci. Je vous mets un peu dans le noir, comme ça vous voyez. Ensuite, on vient prendre le petit bout comme ça. Je pense qu'il va être un peu petit. On vient le centrer. Par contre, ici, c'est pas trop bien expliqué, je trouvais, pour ça. Mais je pense qu'on vient le centrer, je sais pas trop. On va essayer de le centrer, je ne sais pas trop comment faire. C'est pas très bien expliqué, par contre, pour ça. Pour cela, mais bon. On va essayer de centrer parce que le trou est là à peu près au milieu. Donc voilà. On va essayer de centrer le plus qu'on peut pour faire ça. Là par contre c'est un peu plus compliqué pour le faire celui-là. Bon après c'est pas parfait. Hein. C'est des petits nœuds papillons. Donc là on n'a plus besoin de la planche pour ça. On a nos deux parties. Alors ici on vient prendre de la colle. C'est un peu le bazar. Qu'on met ici et... ici. Et ensuite, on vient hop le mettre au centre, à peu près au centre, voilà. De toute façon, il faut que ça soit aligné, vous voyez, ici l'arrondi, il faut qu'il soit aligné sur l'arrondi ici. Voilà. Hop. On appuie pour mettre la colle et on fait pareil de l'autre côté. Normalement, ça devrait être aligné, hein, plus ou moins. Voilà. Donc là, ça nous fait le début du nœud. Et voilà, je ne l'ai pas coupé assez grand. Je ne l'ai pas coupé assez grand, bon, c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Je vais faire la petite languette parce que du coup je ne l'ai pas fait, mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je vais faire à la main, ce sera plus simple. Il faut faire une petite languette pour en fait pouvoir coller le centre ici parce que vous voyez sinon ça se décolle. Donc en fait on vient mettre la petite languette hop au milieu. Là, j'ai vraiment fait un gros nœud aussi. Regardez la taille du nœud quand même par rapport à l'autre tout petit à côté. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire différents nœuds. Hop. Donc là, hop. Donc là, j'avais dit... bon, ça c'est bon. J'avais dit 5 et un quart. 5 et un quart, je pense que c'est ça, je suis pas sûre. Je suis pas très douée en poussant. Ouais, c'était ça en fait qu'il fallait faire. 5 et un quart, du coup, je reprends la petite machine. Voilà, hop, pour faire les petites encoches là. C'est vrai que par contre, là, pour faire les encoches, c'est pas vraiment pratique. Hein. J'essaye de centrer à peu près... au niveau de la feuille, vous voyez, j'ai essayé de centrer un petit peu. C'est vrai que c'est pas évident de vous montrer. Vous voyez, j'ai essayé de centrer un petit peu, on verra bien. Et en fait, ça va donner ceci. Et j'ai oublié de faire un truc, je crois. Oui, j'ai oublié. En fait, on a autre chose à faire.
Bah oui, en fait, ça faisait moche. Bah oui. Parce que du coup, pour celui-là aussi, en fait, il fallait respecter. Non, j'ai coupé. Est-ce que ça va gêner ou pas? C'était à 2, 5. 5 huitièmes. À couper à 2, 5 huitièmes. Voilà, hop. Des deux côtés. Bah oui, sinon, ça fait bizarre. C'est un peu compliqué. Donc là, je le teste avec vous. Hein, donc c'est pour ça, mais voilà. Voilà, c'est mis en fait. Vous voyez, ça fait des petites encoches pour suivre la forme du nœud. Sinon, ça fait bizarre. Et en fait, ça va nous donner le petit nœud comme ça. Bah là, il est blanc. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour voir. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien le petit nœud comme ça. En plus, on peut en faire de vraiment des grands, des petits. Il y a vraiment différentes tailles. Bon, après, il faut savoir utiliser les pouces. Moi, je suis pas habituée à utiliser les pouces, mais voilà. Et ça nous donne les nœuds. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, hein. Et on peut faire vraiment différentes tailles. Donc ça, ouais, franchement, super. C'est vrai que celle d'action, on ne pouvait pas faire ça. Donc voilà. Franchement, super. Je vais préparer le matériel pour après, pour faire l'enveloppe, parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Donc là, j'ai coupé une feuille de 18 cm. Ça fait combien 18 cm en pouces? Il faut tout convertir en pouces. Du coup, 18 cm, ça fait 7 pouces et un quart, si je me trompe pas. Donc là, on vient voir ici 7 pouces et un quart. 7 pouces et un quart, c'est où? Voilà, 7 pouces et un quart. Donc 7 pouces et un quart, on vient placer le papier ici, le bord du papier sur 3 et demi. Donc là, 3 et demi, voilà, tout simplement. Et ici, vous voyez, comme je vous disais, vous avez les lignes. Il y a deux lignes différentes. Donc quand vous utilisez pour une enveloppe normale, vous utilisez qu'une des lignes. Là, on va utiliser du coup les deux. Hop. Hop. Et ensuite, on vient aligner ici les traits par rapport à deux petits picots qui sortent ici. Hop. Et on vient faire les marquages comme ça. Et on fait ça comme pour l'autre planche, en fait, tout simplement, hein, comme celle d'action. Et on vient faire comme ça. Je vais me dépêcher un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps sur ma carte. Ça va couper. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Tout à l'heure, j'ai réussi, mais. Et en plus, je fais n'importe quoi, j'oublie de couper. Voilà, hop, on vient couper. Comme ça. Des quatre côtés. Comme celle d'action, en fait. Tout simplement, c'est comme celle d'action. Voilà. Donc là, je vous montre vite fait, ça va couper. Je suis venue juste marquer les plis et vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Donc là, je suis juste venue marquer les plis et en fait, ça nous fait l'enveloppe. Donc c'est super, c'est assez épais pour ranger plein de petites choses, plein de photos ou autres. Voilà, ça c'est un peu comme celle d'action, sauf qu'on peut utiliser les deux marquages. Vite fait, je vais vous montrer les deux marquages ici pour faire une enveloppe plus épais que si on veut une enveloppe tout simple, on n'aurait utilisé qu'un marquage. Voilà, c'est juste ça. Franchement, c'est mieux que celle d'action. Je suis trop contente de l'avoir pris. Donc, je vous fais des gros bisous et j'espère que ça vous aura plu. Bisous.